Les modes de priorité, pour moi, c'est les modes les plus importants sur le boîtier. La notion de priorité, ça veut dire que vous allez définir le réglage d'exposition qui vous semble le plus important et le boîtier calculera l'autre ou les autres. Donc, la première priorité, c'est la priorité vitesse. Chez Canon, elle est notée TV. T pour time et V pour value. Ça veut dire que c'est vous qui définissez la valeur de temps, c'est-à-dire vous définissez l'exposition. Chez Nikon, c'est plus simple, c'est S, comme speed, vitesse en anglais. Donc, vous vous mettez sur ce mode, et c'est vous qui définissez, avec la molette principale, quelle valeur de vitesse vous voulez utiliser. Un 250e, un 320e, un 500e, ainsi de suite. C'est un mode qui semble parfait, et on vous le vend comme ça, en tout cas, pour utiliser pour des photos de sport. Parce qu'on vous dit, pour figer un mouvement, il faut, par exemple, si on prend un coureur, sur un stade, un sprinter, il vous faut un millième de seconde. Parfait, vous réglez votre boîtier sur un millième. Et vous laissez l'appareil photo faire le reste. Je vous ai dit que ça semblait idéal, parce qu'en pratique, avoir cette vitesse de 1 millième, c'est pas si simple que ça. Et vous allez voir que souvent, c'est pas vraiment la vitesse que vous allez définir, parce que vous allez avoir des contraintes de lumière. Typiquement, vous réglez votre appareil photo sur un millième. Je vais mettre par exemple à 100 ISO. Et là, alors ma photo est prise, mais j'ai la valeur qui clignote sur l'afficheur. J'ai 2,8 qui clignote. C'est l'ouverture. Ce que ça veut dire, c'est que les conditions de lumière sont pas suffisantes pour que je puisse faire cette photo à un millième de seconde. En gros, il me faudrait une ouverture plus grande que 2,8. Et là, ben, avec mon objectif, je peux pas aller plus loin. C'est là aussi que vous comprenez pourquoi, sur le bord des stades, vous avez des professionnels qui ont des objectifs qui sont larges comme ça, qui pèsent 10 kilos, et vous comprenez que votre petit 70, 300 ou 100, 300 mm qui ouvre à 6,3 par exemple quand il est à 300 mm, il est limité. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à un millième de seconde en priorité vitesse et que vous faites la mesure en appuyant à mi-course, votre 6,3 qui clignote, ça veut dire que vous auriez dû acheter un objectif qui ouvre plus grand pour pouvoir faire cette photo à un millième de seconde. C'est pour ça que le professionnel qui a investi 10 000 euros et qui a son objectif de 10 kilos, lui, quand il ouvre à F2, il va par exemple pouvoir assurer cette photo à un millième. Donc, dans le cas du sport, vous ne pouvez pas vous assurer de pouvoir faire une photo à un millième de seconde dans des conditions de lumière précises. Finalement, c'est pas vous qui allez décider de cette vitesse, c'est votre objectif qui va, 9 fois sur 10, être le facteur limitant. Donc la priorité vitesse, finalement, pour moi, ça ne sert que dans un cas précis. C'est le cas où vous voulez utiliser une vitesse très précise, pas forcément la plus rapide possible, mais par exemple, vous voulez faire un léger flou de mouvement sur un piéton. Vous avez fait un test et il vous faut un 1/30 de seconde. Et si c'était un 1/60, ça serait trop figé. Si c'était une seconde, ça serait trop flou. Donc, à ce moment-là, vous réglez votre appareil sur un 1/30. En pratique, personnellement, je me sers jamais de la priorité vitesse parce que j'ai pas, enfin, je trouve pas vraiment de cas où on a besoin de cette vitesse précise. Vous verrez aussi que entre un 1/125, un 250e et un 1/500 de seconde, il n'y a pas forcément tant de différence que ça. Vous n'aurez pas forcément besoin de cette vitesse-là et pas une autre. Donc pour moi, c'est pas un mode
très très intéressant. Il a le mérite d'exister, mais voilà, moi j'ai pas trouvé d'utilité particulière à ce mode. Peut-être que vous, dans certaines conditions de photo, peut-être de la photo scientifique par exemple, ça peut avoir un intérêt. Pour la photo tous les jours, je suis vraiment pas convaincu. Par contre, la priorité ouverture, ça c'est mon mode préféré. Je vous en parle dans la leçon suivante.